Bon, je salue tout le monde matin là, parce que de toute évidence, faut me dire que moi-même, j'aime parler avec le gouvernement haïtien et je salue Jean-Frédéric. Je toujours dit, pas de monde qui a dit que c'est pas avant que le coronavirus soit propagé. Pas de monde qui a dit que je averti pour le ministère des Affaires étrangères de mettre un plan de rapatriement pour les compatriotes haïtiens qui sont éparpillés à travers le monde. So, basically, je te dis que c'était nécessaire. Pour le gouvernement haïtien, tu es penché sur le dossier, ça surtout le ministère des Affaires étrangères. Mais jour et jour, on a haïtiens qui exposé à virus corona, Trump décidé pour déporter haïtiens. Écoutez bien, mes chers amis, parce que faut comprendre mieux. Nous t'ai dit pendant plusieurs, avant que le coronavirus ait dégénéré, nous, au lieu de chita d'après, nous t'ai dit il faut que le gouvernement mette en place un plan de rapatriement pour la population, pour les haïtiens, compatriotes qui sont à l'étranger, non, à l'extérieur. Quand ils ont une opportunité pour entrer dans le pays d'Haïti, avant que yo exposé à virus, de quoi pour situation pas grave. Mais qu'on y a, le gouvernement américain décidé pour yo déporter haïtiens qui exposés dans le centre déjà à virus coronavirus, avec virus corona. So maintenant, qui est le ministère des Affaires étrangères? Et m'a pas dit ça avec T. Claude Joseph, qui est notre ministère des Affaires étrangères. Nous n'avons pas les ressources nécessaires diplomatiques pour nous être capables de faire face avec le gouvernement Trumplan. Qui décide bien évidemment pour le déporter. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le moment pour nous utiliser une diplomatie de façon à ce que nous demandions au gouvernement américain pour être capable de sursoir sous décision de déportation ça. C'est le moment que nous devons mettre action diplomatique non, en, sous pied. En même temps, tout pour nous élaborer un plan, bien entendu, de rapatriement de Haïtiens qui n'ont pas exposé avec le coronavirus. Non. Est-ce que nous rendons compte de quel niveau et compétence nous avons arrivé aujourd'hui? Qu'on a l'Europe déporté haïtien de force parce que nous signons un accord avec le gouvernement américain pour déporter haïtien qui est illégal aux États-Unis, qui est déjà dans le centre, qui a un dossier, qui a une lettre de déportation dans le nous te dit, faites attention. Haïtien qui est à l'étranger, il pas le faire, surtout si il est illégal, il pas le victime de ce qu'on appelle discrimination sanitaire. Lorsque les Haïtiens sont illégaux aux États-Unis, ok, sont exposés avec virus corona, qu'on n'y a déjà pas de ça les ventilateurs, pas de appareil médical inoff assez pour traiter même Américains dans le pays aux États-Unis, qu'on n'y a vu un Haïtien qui est illégal dans le pays d'Haïti aux États-Unis. Ou bien dans le pays Caraïbes, ou bien dans l'Amérique latine. Non. Haïtien, ça sont des gens qui déjà mouri. Réseau qui fait Haïtien, ça déjà mouri. Parce qu'elle prend victime de ce qu'on appelle discrimination sanitaire. Ça veut dire qu'on va avoir priorité avec Haïtien, ça. Au contraire, Haïtien, ça depuis qu'on commence à tousser, il commence à avoir des problèmes. Ou bien, je ne sais pas, il n'y a pas perdre du temps. L'État étranger, ça ne va pas prendre ressources pour traiter Haïtien. Pour y traiter haïtien illégal. Bon, même national, même mon citizen pays, oui, yo pas qu'à jouer un soin adéquat. Parce que pas de matériel, pas de infrastructure sanitaire, pas de outils médical inoff pour y traiter. Yo. En attendant, yo nos vaccins. Maintenant, allez voir. Regardez ce qui a passé à New York. Il y a des milliers, une majorité des centaines et centaines haïtiens qui mourent à New York. Pour diable, moun ki gen résidence, gen ki illégal, gap mouri. Pendant ce temps, qui sa ministère affaires étrangères te fait? Qui sa régime PHTK a fait?
puis me dit mais qui ça pour faire. Moi dit écoutez, nous on la tête l'état, faut ministère affaires étrangères prévoir un plan de rapatriement d'abord avant que le virus soit exposé pour éviter chaque grand haïtien pour qui à l'étranger pour retourner dans le pays avant yo exposer mes avis. Oui, mais excusez-moi parce que j'ai un petit problème quand m'ta passé là. Mais t'aime dit nous bien mes chers amis. Ou pas qu'à arriver dans une situation côté que ou pas même qu'à contrôler. Ou pas même qu'à contrôler virus ça nous gagne en Haïti a commencé à faire si. Pendant ce temps arriver dans une situation côté que les pays ont États-Unis commencer à prendre moun haïtien frère ou compatriote pour voyer au nan de